Et comme évidemment l'émission Télématin ne se refuse rien, nous avons décidé de partir à Londres. À Londres où une exposition qui retrace 2000 ans d'histoire de la chaussure s'est déroulée et vous y étiez. Et oui, je vous emmène au Victoria et Albert Museum. Il y a une exposition incroyable sur les chaussures. Plus de 200 paires de chaussures qui retracent 2000 ans d'histoire, de la première sandale qui date des Égyptiens aux chaussures futuristes, d'aujourd'hui. C'est quand même assez incroyable. Et le titre en lui-même, c'est quand même, je vous le dis en français, vous voulez en anglais? On commence par l'anglais puis on traduit. Hein, Alors, Shoes, Pleasure and Pain. Ah. Et donc, c'est vraiment les sources de désir, mais aussi de douleur. Parce que pour être belle, finalement, il faut souffrir. Et on s'aperçoit qu'on monte sur des talons assez incroyables, des fois, parfois 20 cm pour sortir 20 cm, non, pour là, sortir c'est du hammam, voire 50 cm au Moyen-Âge. Donc, 50 cm. 50 cm. Mais là, ce ne sont plus des chaussures, ce sont des échasses. Exactement. Regardez. Un feu sur les chaussures au Victoria and Albert Museum à Londres. Le titre de l'exposition, Shoes, Pleasure and Pain. Ce qui se traduit par chaussures, source de désir et de douleur, et qui résume parfaitement le fil conducteur de cette visite inédite. À travers plus de 200 paires de chaussures pour hommes et femmes, voici donc l'occasion de faire le point sur l'évolution et la transformation d'un objet indispensable, devenu au fil du temps un accessoire de mode obsédant. Retracer ici pas moins de 2000 ans d'histoire avec des chaussures qui nous viennent des quatre coins du monde, d'Égypte, du Japon, d'Inde ou bien sûr d'Angleterre. Et qui nous montrent combien il faut souffrir pour être belle. Depuis toujours, la chaussure alimente les rêves. Elle fait partie de notre monde individuel et qui n'a pas rêvé un jour d'enfiler la célèbre pantoufle de verre de Cendrillon, matérialisée ici par Swarovski. Les chaussures peuvent être aussi un objet d'admiration, comme le suggèrent les crampons de foot de David Beckham. Les chaussures témoignent aussi d'un statut social grâce à des symboles identifiables. Aujourd'hui, la fameuse semelle rouge de Christian Louboutin est le signe d'un certain luxe. Dans les siècles passés, c'est surtout la décoration des chaussures qui montre la fortune de la personne. Des fils d'or, du satin, du velours, sans oublier l'intérieur, raffiné, paré de broderies. Les codes sociaux sont souvent dictés par les membres des familles royales ou des stars. Marilyn ne chaussait pas un 36 fillette et avait même un petit décalage de longueur de jambe, habilement compensé par la semelle de ses escarpins. Le fétichisme des pieds se retrouve à toutes les époques et dans tous les pays. Du pied Lotus en Chine aux mules de Manolo Blahnik ou Jimmy Choo, le pied doit être mis en valeur afin de se dévoiler de façon érotique. Les chaussures sont de réelles performances de style. Les créateurs contemporains sont largement représentés, de Prada à Vivienne Westwood, avec ses célèbres platform shoes qui, en 1993, valurent à Naomi Campbell une chute mémorable en plein défilé. On y découvre aussi le processus de création, du dessin à la forme en bois, des talons aux tiges, jusqu'aux interviews des designers qui imposent leur style aujourd'hui. Et sans oublier les collectionneurs de renom qui se sont amusés à recréer leur dressing pour le plaisir des visiteurs. La chaussure, c'est surtout un moyen de projeter l'image que l'on veut être, assure Hélène Persson, la commissaire de l'exposition. Il paraît qu'il existe des temps de chaussures, c'est-à-dire cette chaussure, je peux la mettre 2 heures, celle-là 3 heures, oui, celle-là 4 heures. Plus vous montez sur des talons, je ne sais pas si vous avez déjà marché avec des talons, c'est quand même assez compliqué. Isabelle, mais ça viendra peut-être. On y découvre finalement comment fabriquer la chaussure. Voilà, enfin, c'est jusqu'au 31 janvier, vous avez donc du temps pour traverser, comme on dit, le Chanel et chausser des bottes de 7 lieues peut-être. Merci beaucoup.